It is white-coated men. Ce sont des hommes blancs qui ont délibérément, méthodiquement, scientifiquement et de sang-froid travaillé sur de tels projets. Working at programs of the kind that I have mentioned. Ils cherchaient des germes qui ne pouvaient attaquer que les Noirs. Ce n'est pas nous qui avons inventé des choses pareilles, c'est eux. Ils ont même cherché à stériliser les femmes noires. Comment est-ce possible, 7 ans après la fin de l'ancien régime, que cet homme, toujours en liberté malgré la gravité des forfaits qui lui sont imputés, n'ait pas encore été jugé? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous avons mené l'enquête en Afrique du Sud. C'est moi qui ai initié le Project Coast lorsque j'étais à la tête des forces militaires. Je l'ai fait parce que, à un moment donné, l'ANC s'est lancée dans des opérations urbaines et elle poussait les choses tellement loin que cela risquait d'aggraver la situation, ce qui aurait été très mauvais pour l'image du pays. Il fallait éviter cela à tout prix. C'est là que je me suis dit, au lieu de tirer à vue sur une foule en colère, à balles réelles, et de tuer des gens, cherchons un autre moyen de neutraliser ces groupes. J'ai alors soumis le problème à des scientifiques, dont Basson était l'un des plus importants. Wouter Basson, général de brigade au 7e bataillon médical des forces armées sud-africaines. J'ai demandé à Basson, seriez-vous capable de mettre au point, pour moi, un gaz qui ne serait ni irritant, ni mortel, mais qui rendrait les gens inoffensifs pendant quelque temps, afin qu'ils se calment et que nous n'ayons pas à les tuer en cherchant à maîtriser la foule. Qui est donc ce scientifique défini comme l'homme de la situation par le chef des armées de l'époque et chargé d'initier une stratégie pour soi-disant paralyser les foules sud-africaines, alors qu'on apprendra plus tard par les témoignages de ses anciens collaborateurs qu'il s'agirait d'un véritable projet de génocide? Il se trouve que je suis le témoin vivant de ce qui est arrivé. Je n'ai eu la preuve qu'en 1989, qu'on avait enduit mes vêtements de produits chimiques qui s'avéraient mortels s'ils rentraient en contact avec la peau. Mais j'ai survécu. J'ai atterri dans un hôpital aux États-Unis. Ils m'ont soigné et ont réussi à déterminer l'origine de mes troubles. Il y a eu une descente chez lui de la brigade de lutte contre la grande criminalité économique. Et dans sa maison, on a trouvé une malle entière de documents, dont quelques-uns avaient trait au programme de guerre chimique et biologique. Ce qu'ils ont trouvé était incroyable. Il y avait ce qu'on appelle une faire copper list, autrement dit un bordereau de vente. Sucre à la salmonelle, bière au thallium, cigarette à l'anthrax, à la toxine botulique, chocolat au cyanure, whisky à la colchicine, déodorant au typhimurium, venin de serpent. Cette longue liste de ventes de produits aux poisons indétectables était destinée aux agents de la sécurité sud-africaine pour leur permettre de tuer les militants noirs sans soulever de soupçons lors de l'autopsie. Combien ont été utilisés, on ne le saura sans doute jamais. Selon vous, cette liste aurait-elle pu être utilisée à des fins de recherche scientifique, ou bien est-ce une liste d'armes meurtrières ? Assurément une liste d'armes meurtrières. Aucun intérêt pour quelque recherche que ce soit. Parmi les méthodes qu'il est présumé avoir utilisées, l'une consistait à enduire l'opercule d'une canette de bière en aluminium avec du poison. Et si vous utilisiez cet opercule, la partie qui s'enfonce dans la canette, ça activait le poison. On m'a donné un paquet de cigarettes Camel. Et on m'a demandé de déposer quelques gouttes sur les filtres des cigarettes. Et que serait-il arrivé à la personne qui aurait fumé ces cigarettes? C'est difficile à dire, mais j'imagine que les conséquences auraient été mortelles.
coup de théâtre, le docteur Basson est jugé par un tribunal à huis clos. Pour quelle raison? Par de mystérieuses fuites, la longue liste des forfaits reprochés à celui que les journalistes surnomment désormais « docteur Lamort » s'ébruite rapidement. La presse ulcérée s'émeut. Pourquoi ce silence pesant du gouvernement? Le ton monte. Elle accuse également la TRC de ne pas s'emparer de ce scandale avec suffisamment de fermeté et exige une audition publique de Basson au sein de la commission. Notre opinion en tant que journal, et comme bien d'autres journaux, était qu'il était absolument primordial que la vérité éclate au grand jour. Ce qu'il révélait pour la première fois ne faisait que confirmer les soupçons qui pesaient sur lui depuis des années. Il fallait que ce soit rendu public. Tous les jours, on nous demandait « qu'est-ce qui se passe avec Basson ? Pourquoi la TRC ne fait rien ? Pourquoi n'a-t-il pas été cité à comparaître ?» Là, il y a un problème. Et le fait que sa demande de liberté sous caution ait eu lieu à huis clos n'arrangeait pas les choses. C'en est trop. Alors que le docteur Lamort, libéré sous caution, rentre chez lui et reprend tranquillement ses activités de médecin à l'hôpital, la TRC décide, contre l'avis officiel, de créer une commission spéciale sur la guerre chimique et bactériologique et d'interroger Basson. Nouveau coup de théâtre, la présidence et le gouvernement s'y opposent catégoriquement au nom du secret des femmes. Il est devenu de plus en plus évident que le nouveau régime, le gouvernement de l'ANC, avait exactement les mêmes intérêts que l'ancien. Il craignait de gêner la communauté internationale, que celle-ci s'inquiète de savoir que toutes les expériences faites par Basson sous le régime de l'apartheid se perpétuent sous le nouveau gouvernement. Et ils ont réagi très vite. Ils ont tout fait pour s'assurer que ces informations ne soient pas rendues publiques. Certains documents sont restés classés top secret, alors même que nous avions changé de régime. Et la TRC a dû en tenir compte. Car il faut bien comprendre qu'il y avait certaines restrictions. Par exemple, en ce qui concerne la prolifération de certaines substances ou produits chimiques, ou bien... Par exemple, comme vous pouvez l'imaginer, vis-à-vis de certains traités avec d'autres pays, ce type de relation devait être protégé au niveau international. Si le gouvernement est aussi embarrassé, est-ce parce qu'une audience publique de la TRC à propos des armes chimiques et bactériologiques dévoilerait l'importance capitale de l'aide militaire illégale apportée par de nombreux pays occidentaux à l'Afrique du Sud sous l'apartheid? Et qui sait, encore aujourd'hui. Un vrai scandale, et pourtant. Je ne crois pas que Basson aurait pu acquérir de telles compétences et un tel savoir sur les armes chimiques sans la collaboration de grandes puissances. C'est un fait grave. Wouter Basson est allé à Taïwan, par exemple, pour voir ce qu'ils avaient comme programme. Il est allé à San Antonio, aux USA, dans les années 80. Là aussi, pour voir leur programme. Il est allé en Israël et en RFA. Le docteur Basson a eu accès au laboratoire militaire en Suisse. Malgré les pressions diverses, la TRC résiste. Après négociation avec le pouvoir, la commission guerre chimique et bactériologique lance enfin ses investigations. Nous sommes en juin 1998. Basson accepte d'assister aux audiences, mais, nouveau rebondissement, il refuse de parler. Encore moins de demander l'amnistie. Il écoute ses anciens collaborateurs déballer la longue liste des forfaits qui lui sont imputés. Vous jurez devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur le Président, oui, j'étais le directeur général. J'étais censé être le patron, celui qui définissait les programmes. Décider des équipements physiques, recruter les bons scientifiques et aménager les installations pour le gouvernement. D'une manière très stricte, on nous a informé que ceci serait une opération militaire menée au nom de l'État. J'ai enregistré la société en mon nom avec trois autres actionnaires. Aurait-il été possible que cette société fonctionne efficacement avec un directeur général n'appartenant pas à la communauté scientifique? Absolument pas.
Avez-vous été en contact avec les scientifiques lorsque vous étiez directeur général? Oui, monsieur. Connaissiez-vous la nature des recherches conduites dans vos locaux? Oui, monsieur. Nous avions des directives très générales sur ce qu'il fallait faire. Et nous avions une grande liberté pour faire ce que nous avions à faire. Ce que les témoignages de scientifiques révèlent, c'est d'abord un arsenal de gadgets mortels dignes de James Bond. Tournevis empoisonné, parapluie sarbacane, détonateur de lettres piégées, canne truquée, lessive explosive, et bien d'autres. Nous voyons ici ce qui ressemble à un tournevis. Pouvez-vous nous en parler? La personne qui utilise cet appareil pique la personne visée. Le simple fait de la piquer libère le poison et les substances chimiques sont alors injectées dans l'individu. Est-ce qu'on peut manipuler ceci en toute sécurité? Tout à fait. Mais j'éviterai quand même de toucher l'extrémité au cas où. Il y avait aussi une aiguille contenue dans ce qui ressemblait à une pompe à vélo. En gros, vous avez dans les mains une pompe à vélo. Vous pouvez la faire coulisser pour sortir l'aiguille. Le même système existait dans des cannes ou des parapluies. Il y avait plusieurs façons de maquiller l'ensemble. Et à quoi servait la canne? Il y avait deux modèles. Le premier était une canne qui dissimulait une aiguille sur le bout. Le deuxième était une canne qui pouvait tirer une petite balle. Une balle en polycarbone qui était percée de nombreux petits trous, ce qui permettait d'y loger des substances toxiques. À très courte distance, l'idée était de pouvoir tirer dans la jambe de quelqu'un. Il y avait aussi deux paquets de lessive homo qui avaient un mécanisme explosif à l'intérieur. Donc, il y avait deux paquets de lessive homo avec les explosifs déjà à l'intérieur. Oui. Les paquets contenaient des explosifs amorcés et prêts à l'emploi. Le docteur Basson a déclaré, après nous avoir longuement décrit les effets du thallium, si vous donnez juste la bonne dose, il ne faut pas trop en donner, juste ce qu'il faut, vous pouvez provoquer ce qui ressemble à un cas de méningite ou de syphilis. Vous obtenez des symptômes similaires. Et en racontant cela, il a déclaré en passant qu'il avait déjà, que nous avions déjà, administré du thallium à Steve Biko. Il y avait aussi des plans pour contaminer les médicaments pris par le président Nelson Mandela à l'hôpital. Peu de temps après la libération de Nelson Mandela, il était persuadé que ses fonctions cérébrales allaient se détériorer petit à petit. Derrière cette panoplie d'inventions d'un autre âge, se profile plus gravement encore l'existence secrète et massive de produits destinés à propager des maladies à l'échelle d'un peuple, voire d'un continent. Anthrax, choléra, méningite, Ebola, sida. Pouvez-vous nous décrire les effets du choléra sur l'homme? Il provoque une diarrhée assez grave et une forte déshydratation. Ce sont les effets les plus importants. Et qui sont les plus vulnérables face au choléra? Les humains. Et parmi les êtres humains, les enfants ne sont-ils pas les plus vulnérables? Et les personnes âgées? Si. Le choléra tuerait donc préférentiellement les enfants et les personnes âgées? Je suppose, oui. C'est la caractéristique du vibrion colérique.
Vous dites avoir produit 26 bouteilles de choléra de 30 millilitres chacune, c'est bien ça? Non, 10 millilitres. Pardon, 10 millilitres chacune. Cela pourrait-il, selon vous, provoquer une épidémie grave? J'imagine que oui, ça pourrait provoquer une épidémie. J'ai dit épidémie grave. Oui. Aviez-vous conscience de produire une substance qui pouvait provoquer une épidémie grave? Quand on m'a demandé de produire ces organismes, il faut se rappeler que, en tout cas pour moi, ils devaient servir pour des tests. Et c'est ensuite que certains indices ont laissé à penser qu'ils pourraient être utilisés dans la guerre en Angola. Le docteur Basson a fait un jour cette petite remarque qu'il y avait beaucoup de problèmes politiques à l'est du pays à ce moment-là. Et il a ajouté, peut-être devrais-je traiter cette foule au choléra. Tri de population, purification ethnique. Le système, en s'affinant dans l'horreur, atteint alors les limites ultimes d'un racisme qui rappelle étrangement la solution finale nazie. Le docteur Basson m'a montré un document. Ce document contenait une proposition émanant de quelqu'un en Europe. Ce type disait qu'il possédait un produit, une bactérie, qui avait la possibilité de n'infecter, de ne rendre malade et de ne tuer que les gens pigmentés comme les Noirs. Le docteur Basson m'a demandé de me documenter et d'étudier scientifiquement cette possibilité. Est-ce vraiment possible? Notre conclusion a été que c'était tout à fait possible et il a été décidé que ce serait bien que le gouvernement en soit informé. Mais en définitive, nos instructions ont été, et c'est très important, de mettre au point un produit visant à réduire le taux de natalité de la population noire du pays. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qui vous a demandé de mettre au point ce produit? La personne qui nous donnait directement les instructions était le docteur Basson. J'ai demandé au docteur Basson, Wouter, pourquoi participes-tu à ça? Pourquoi es-tu là-dedans? Tu ne possèdes pas de société, c'est moi qui possède la société. C'est moi qui roule en BMW, c'est moi qui ai la villa de 3 étages, c'est moi qui ai ça. La grande vie. Tout le monde pensait, Gossen, il est vraiment génial, c'est vrai. Donc je lui ai demandé, Wouter, pourquoi fais-tu ça? Et il m'a répondu, j'ai une fille. Et un jour, parce qu'on sait plus ou moins avec certitude que les Noirs prendront un jour le pouvoir, mais le jour où les Noirs prendront le pouvoir et où ma fille me demandera, papa, qu'as-tu fait pour empêcher ça? J'aurai la conscience tranquille. Et je le reconnais, c'est cette psychose qui prévalait. Et vous pouvez me le reprocher, j'y ai pris part. C'est vrai. Et je le regrette. Mais je ne suis pas le seul coupable. Basson bénéficie-t-il de protections si puissantes? Fait-il encore peur au point que personne n'accepte de prendre la décision de sa suspension? Parallèlement, son procès devant la haute cour s'enlise. La question à présent, c'est que nous avons un gouvernement démocratique qui possède ce même savoir mortel que possédait le gouvernement de l'apartheid, auquel des nations sans scrupules ont eu recours et pour lequel elles ont été condamnées. Donc la grande question à présent est,
Qu'est-il advenu de ce matériel? Existe-t-il toujours? L'Afrique du Sud a signé des accords et des conventions internationales sur ces technologies. Il serait très naïf d'imaginer que ce savoir a disparu avec le docteur Basson, ou bien qu'il le suivra en prison. Ce ne sera pas le cas. Basson est toujours libre. Il n'a toujours pas livré ses secrets, il ne manifeste ni regret ni remords. La question d'un transfert de compétences devant un tribunal international se pose-t-elle, comme à Nuremberg il y a 50 ans? Faut-il tourner la page ou bien, comme l'affirme Desmond Tutu à la TRC, continuer à regarder la bête au fond des yeux? Mais ce qui était beaucoup plus inquiétant, c'est le volet épidémie. Il se trouve que le programme sud-africain avait réussi à récolter des échantillons d'Ebola, de choléra, de sida, quand on sait qu'en Afrique du Sud, de variole, bien sûr, mais quand on sait qu'en Afrique du Sud, le taux du sida est l'un des plus élevés au monde, on s'inquiète, évidemment, on se pose des questions. Le fait que l'Ebola apparaisse, notamment dans la région, questionne également sur les stocks sud-africains. Je ne parle pas aussi des gros stocks d'anthrax aujourd'hui, qui ont été découverts à l'époque et dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Alors, le docteur Basson a bénéficié non seulement de fonds illimités, il avait tout l'argent dont il avait besoin, mais en plus d'un contrôle hiérarchique très faible. Il faisait ce qu'il voulait. Oui, d'autant que ceux qui l'ont nommé n'étaient pas des intellectuels, c'était des militaires qui lui ont simplement dit « voilà ce que vous devez faire, essayez de développer un arsenal biochimique contre la population noire ». À partir de là, il a fait ce qu'il pouvait, ce qu'il voulait, donc des fonds illimités évidemment du gouvernement de Pretoria, mais également des collaborations internationales extrêmement poussées, avec les États-Unis, avec l'Angleterre. Mais... Oui, alors, les États-Unis de Ronald Reagan, de Reagan, qui lui fournissent d'ailleurs complaisamment le virus Ebola. Oui, oui, plusieurs échantillons. Ça. Évidemment, on se bat contre un ennemi presque imaginaire, si j'ose dire, qui est le communisme. Donc là, Mandela, qui va arriver au pouvoir, représente un peu le diable. Et avant que Mandela arrive au pouvoir, on charge donc ce docteur et les agents et ses collègues de développer un arsenal contre la population noire. Parce qu'il y a une logique très simple derrière tout ça. On arrive, Mandela va arriver au pouvoir, la démocratie va arriver. Et au jeu de un voix, une vote, évidemment, les Afrikaners, les Blancs, vont pas gagner à ce jeu-là. Donc l'idée était toute simple, l'équation était toute écrite dès le début, moins il y aura de Noirs, moins il y aura de votants noirs, et donc, par conséquent, le pouvoir politique des Afrikaners ne sera pas autant réduit. Voilà la logique de base qui a conduit à ce programme. Le docteur Basson s'est montré créatif, puisqu'il a mis sur pied ce que vous appelez une bombe ethnique. Vous pouvez expliquer ce que c'est? Alors, une bombe ethnique, on ne sait pas très très bien jusqu'où il est allé. Il est allé très très loin dans cette recherche-là. Il semblerait qu'il ait développé une molécule qui était sensible à la pigmentation de la peau des Noirs, à la mélanine. Et donc cette particularité de cette molécule, évidemment, ne pourrait être mortelle que pour les Noirs. Donc c'est une bombe raciste, une bombe ethniquement sélective, et qui a pour particularité, là c'est extrêmement important, là on a une arme qui est génocidaire, qui est un véritable volonté de crime contre l'humanité. On n'en a pas retrouvé de traces de cette arme. Non, mais la volonté, comme en droit pénal, pour ceux qui connaissent un peu le droit pénal, la volonté vaut l'acte. Le fait d'avoir voulu mettre sur pied ce programme-là, d'avoir appliqué, d'avoir exterminé de toute façon des Noirs et uniquement des Noirs, le programme en lui-même était génocidaire dès son origine. Alors on va regarder ensemble encore quelques images que vous avez tournées sur le local du docteur Basson. On va voir qu'il reste des choses, il reste une atmosphère, et puis à la fois il ne reste pas grand-chose, parce que c'est comme pour les camps de la mort, on a essayé d'effacer beaucoup de traces. J'obtins, grâce à certains documents confidentiels qui m'ont été donnés par la commission, l'adresse du laboratoire militaire de la mort, le laboratoire de Roodeplaat, où fut développé tout l'arsenal biochimique de ce programme secret militaire sud-africain. Personne n'a évidemment le droit de filmer à l'intérieur de ce local ultra sécurisé militaire où étaient effectuées ces recherches biochimiques. Le docteur Wouter Basson a travaillé dans ce local que j'ai pu visiter il y a exactement un an. C'est ici que furent développés des produits extraordinairement sophistiqués. C'est ici aussi peut-être que certaines expérimentations étaient effectuées sur des Noirs. Évidemment, il n'y a plus de preuves. D'autant que pour l'essentiel, elles ont été incinérées dans ce local. Hello.
S'il n'y a plus beaucoup de preuves, il reste encore les témoignages filmés par la commission Réconciliation et Vérité de certains collègues du docteur Lamort. Il y avait aussi des bactéries mangeuses de chair. Oui, ça c'est quelque chose qu'ils ont réussi à récupérer vraisemblablement aux Russes. Mais au-delà de ça, il y a d'autres choses qui sont autrement plus graves, qui est également une campagne qui est allée assez loin, une campagne de stérilisation. Ils avaient mis sur pied une véritable planification générale pour stériliser un maximum de noirs, de femmes noires, en injectant des produits stérilisants, entre guillemets, dans des produits de consommation, de grande consommation, comme le maïs ou la bière. On ne sait pas jusqu'où ils sont allés dans ce programme-là. Ah, d'accord. Eh ben, ce qui est très intéressant, c'est que non seulement les Américains les ont aidés, mais Saddam Hussein aussi. Il est allé plusieurs fois en Irak, ce qui a beaucoup inquiété les Américains d'ailleurs. On parle de Wouter Basson, hein. Du docteur. Il est allé en Irak, il est allé aussi en Corée du Nord, du Sud. Il a visité, je crois, les plus grands programmes biochimiques de la planète, et notamment le programme aussi américain. Les Américains et les Européens aussi ont beaucoup, beaucoup collaboré avec ce docteur. Ils étaient absolument ravis de pouvoir envoyer leurs scientifiques en Afrique du Sud, sachant que là-bas, l'argent coulait à flot. Il n'y avait pas trop de contrôle. Absolument aucun contrôle, parce qu'on était justement sous embargo, ce qui est un peu croustillant, dans la mesure où tous ces pays-là ne respectaient pas l'embargo militaire, pas économique, vraiment, hein, militaire. Non seulement on aidait le docteur Lamort, mais on savait très bien à quel point son programme était dangereux. Vous le dites dans votre documentaire, vous le dites aussi dans votre livre, les services secrets américains et britanniques l'avaient classé deuxième programme le plus dangereux au monde, derrière le programme soviétique. Il y a un rapport qui est tombé, et ça c'est assez important, un rapport qui est tombé en février 2001 de l'US Air Force, très poussé sur le programme, sur le Project Coast et le Dr Lamort, et qui considère que ce programme-là n'est pas le plus volumineux qui reste l'apanage du programme russe, Bioreparate, mais qu'en qualité, c'était l'un de ceux qui était allé le plus loin, abouti. Le plus abouti et les plus inquiétants. D'autant, encore une fois, qu'on ne sait pas ce que sont devenus les stocks. Alors, on a envie de savoir, Tristan Malestrance, combien de personnes ont péri lors de ces expérimentations, et surtout qui était visé, parce que au sein de la population noire, il y avait des cibles préférées et préférentielles. Bon, essentiellement évidemment des noirs, des militants de l'ANC. Combien le propre de ce programme-là est évidemment de tuer sans qu'on ne sache. Quand quelqu'un est infecté par le sida ou par le choléra, comment savoir si c'était dans le cadre du programme COAST ou par d'autres biais. J'ai interviewé l'un des enquêteurs de la commission Réconciliation et Vérité qui s'est tenue en Afrique du Sud et qui a enquêté un petit peu sur le programme militaire sud-africain et qui est présidé par Desmond Tutu et qui a lui-même considéré qu'il fallait estimer à plusieurs milliers de personnes, potentiellement les personnes qui avaient été soit éliminées, soit des personnes qui avaient été prises pour faire des expérimentations, parce qu'il y a eu des expérimentations sur humains. Mais on n'a pas retrouvé de traces là aussi. Évidemment, là on a vu tout à l'heure que peut-être quelques images de l'incinérateur. J'ai entendu dire que quelques corps avaient été jetés dans l'incinérateur. Évidemment, aucune trace, on ne trouvera probablement pas de traces. Il y a des témoins, des personnes qui ont été visées, notamment des grandes personnalités sud-africaines. Alors, ils ont eu des projets assez fous. Alors, en particulier, ils avaient comme projet, juste avant de libérer Mandela, d'endommager son cerveau avec du thallium. Oui. C'était l'un des programmes, l'un des volets de ce programme sud-africain qui était d'éliminer. Le diminuer, le libérer, voilà. et le diminuer juste avant. Pas le tuer, mais disons le contaminer de façon à ce que mentalement il ne soit plus apte à diriger le pays et l'emmener vers la démocratie. Donc c'est un programme qui n'a pas réussi, mais qui était en plan. C'était quelque chose qu'ils allaient faire. Ils sont par contre allés beaucoup plus loin, ils ont réussi cette fois-ci à attaquer et à atteindre et à faire un attentat contre le second personnage de l'État sud-africain aujourd'hui, qui est le révérend Frank Chikane, qui est le président ou qui est le chef de cabinet, disons, de la présidence sud-africaine, du président Thabo Mbeki, et qui lui-même est tombé dans le coma 2-3 fois après qu'ils aient enduit, je suis obligé de le dire, ses slips, ses sous-vêtements, d'une poudre inodore et incolore qui ça pénétrait donc sa peau. Bulgare. Un petit peu, il y a le parapluie. C'est une belle invention, mais je crois que les Sud-Africains sont allés beaucoup plus loin. Et donc ce pauvre révérend est tombé 2-3 fois dans le coma, et c'est ça n'est que vraiment une dizaine d'années plus tard qu'ils ont découvert et compris que c'était dans le cadre de ce programme COAST. C'est étonnant hein, que le pouvoir n'est pas le pouvoir qui a suivi le président de Klerk, le pouvoir Mandela, n'est pas cherché à contrôler davantage ces armes. Il était extrêmement gêné parce que de mettre tout ça à plat impliquerait de mettre à jour les collaborations qu'il y avait eu avec les pays occidentaux. Et la France, comme la Suisse,
comme l'Angleterre, ne souhaite peut-être pas qu'on mette à plat les collaborations qu'il y a eu, alors que le pays était supposé être sous embargo. Le gouvernement blanc d'Afrique du Sud a longtemps été condamné pour sa brutalité à l'égard de sa population noire majoritaire. Dans les années 80, ce régime d'apartheid a mis sur pied un programme bactériologique top secret. Le projet COAST, dirigé par Wouter Basson, plus tard surnommé Docteur la Mort. Ce programme, qui avait pour but de mettre au point des armes pour assassiner les opposants à l'apartheid, a donné lieu à des expériences sur la population noire. Je retourne voir le député britannique Norman Baker. Peut-être a-t-il découvert un lien entre Kelly et l'Afrique du Sud au cours de sa propre enquête. Il y avait des relations entre le gouvernement britannique et le régime sud-africain. Et on peut se demander ce que le gouvernement Thatcher de l'époque savait exactement sur le projet COAST. S'il recevait des informations issues de ce projet, et même s'il le soutenait secrètement. David Kelly et Wouter Basson étaient clairement en contact depuis un certain temps. Quels étaient les liens entre David Kelly et le docteur Lamort? Et que penser des informations reçues par Drech à propos d'un ancien chercheur du projet COAST qui aurait tenté de vendre aux États-Unis des stocks de bacilles du charbon et d'autres agents fabriqués à l'époque de l'apartheid? Est-il vrai que le bacille du charbon est en vente au marché noir? Pour le savoir, je dois aller en Afrique du Sud. Dans l'avion, je survole le pays où a pris corps ma hantise des armes biologiques. J'ai grandi en Rhodésie, une colonie britannique dirigée par sa minorité blanche. Quand j'ai eu 18 ans, dans les années 70, une véritable guerre civile faisait rage dans le Bush. Les nationalistes noirs avaient pris les armes pour conquérir leur liberté. Les blancs étaient déterminés à se maintenir au pouvoir à tout prix. En fait, nous refusions de laisser la Rhodésie aux mains de la majorité noire. Et il y avait une raison pour ça. Ce n'était pas juste du racisme. Nous avions vu s'effondrer des pays, de l'Ouganda jusqu'au Ghana. Toutes les colonies britanniques qui étaient devenues indépendantes avaient sombré dans l'anarchie. Il n'était pas question que ça arrive en Rhodésie. C'est moi, en 1977, quand j'ai rejoint les Selous Scouts. Jim Parker est un ancien membre des forces spéciales de l'armée rhodésienne, les Selous Scouts. Un régiment d'assassins d'élite, dont la mission est d'éliminer l'ennemi par tous les moyens. Jim Parker a écrit un livre dans lequel il révèle les activités secrètes de cette unité de lutte contre l'insurrection. Alors que les combats s'étendent et que les nationalistes noirs gagnent du terrain, les Selous Scouts se tournent vers l'utilisation d'armes chimiques et biologiques. La première fois que j'ai entendu parler du bacille du charbon, c'était lors d'une mission à Wenki. Avec le médecin sur place à l'époque, on bavardait de choses et d'autres et il m'a dit « On a répandu le bacille du charbon dans la région de Nkayi et de Lupane. » En tout, il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont été contaminées cette année-là. Un chiffre sans précédent et qui n'a jamais été révélé. Aujourd'hui encore, beaucoup nient que l'épidémie de charbon en Rhodésie, la plus importante jamais observée, ait été provoquée délibérément. Jim Parker est le premier membre des Selous Scouts à admettre publiquement que cela a pourtant été le cas. Pour finir, toute la Rhodésie, qui s'appelle aujourd'hui le Zimbabwe, a été contaminée. En 1980, quand un accord négocié met fin à la guerre et donne naissance à la nation indépendante du Zimbabwe, les Selous Scouts se réfugient au sud. Tous les documents top secrets, tout ce qui concernait les Selous Scouts, ont été transportés ici en Afrique du Sud.
l'Afrique du Sud devient le dernier champ de bataille de la suprématie blanche sur le continent africain. Et comme en Rhodésie, l'un des chapitres les plus sombres de l'apartheid est l'utilisation secrète des armes biologiques. Parmi les rapports de recherche sur lesquels les enquêteurs ont mis la main et qui faisaient partie des nombreux documents découverts en possession de Basson, certains rapports faisaient clairement état de recherches sur des toxines susceptibles d'être administrées à une personne pour la tuer, tout en restant indétectables. Il s'agissait de tuer les gens sans se faire prendre. L'Afrique du Sud blanche disposait d'alliés puissants en Occident. On a décidé de trouver des organisations qui pourraient nous aider sur le plan technologique. Il y en avait surtout au Royaume-Uni et en Amérique, et quelques-unes en Europe. On a été les voir, on leur a expliqué notre problème en leur indiquant de quelles informations on avait besoin. On en a obtenu quelques-unes, le reste on l'a acheté, emprunté ou volé. Curieusement, l'aide que nous avons reçue des Américains et des Britanniques était idéologique. Professeur de sciences politiques à l'Académie navale des États-Unis, Hélène Purkett, grande spécialiste du projet COAST, concède que les États-Unis pourraient avoir collaboré avec le régime sud-africain. L'administration Reagan avait une politique d'engagement constructif. Il est donc possible, je n'en ai aucune preuve, mais c'est plausible, qu'il y ait eu une coopération sur certains programmes, y compris le programme d'armement biologique, entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Mais c'est secret défense. Quel secret l'Occident peut-il cacher sur l'ampleur de sa collaboration au projet COAST? Je me tourne vers l'une des sources de Dresch, le journaliste d'investigation Sam Saul. Le projet sud-africain était bien commode. Surtout les recherches sur le nec plus ultra des armes dont on pourrait se servir pour commettre des assassinats, en faisant en sorte que la mort ne paraisse pas suspecte. Peut-être bien que d'autres services secrets étaient intéressés par de telles armes, mais ne pouvaient pas faire les recherches eux-mêmes et se servaient de l'Afrique du Sud pour faire le sale boulot. Savoir si c'est le cas est une question qui reste ouverte. Mais beaucoup d'éléments indiquent que Basson a effectivement reçu l'aide des pays occidentaux. La visite de Larry Ford, par exemple. Larry Ford. Larry Ford avait fait muter le choléra, la typhoïde, le charbon, le botulisme et la peste bubonique. Et il avait aussi mis au point ce qu'il appelait des germes tueurs de kafir. Kafir, en afrikaans, signifie négro. C'était donc des germes qui étaient spécifiquement destinés à tuer seulement les noirs. En d'autres termes, une arme biologique ethnique. Dès le début, la mise au point d'un moyen pour maîtriser la croissance de la population noire a été l'un des principaux domaines de recherche. Ces recherches se sont intensifiées à mesure que la population noire augmentait et que les soulèvements devenaient plus violents. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont commencé à travailler sur des modifications génétiques, à faire des recherches pour essayer d'élaborer des contraceptifs afin de stériliser les Noirs à leur insu. Toutes sortes de recherches qui, aujourd'hui, paraissent vraiment délirantes. On a parlé d'une arme ethnique sur laquelle travaillait le projet COAST, baptisé la bombe noire. Un projet génial, le plus amusant de ma vie. Tout cet épisode de l'arme ethnique a été parfaitement exposé lors du procès. En fait, nous avions pour objectif de synthétiser une certaine protéine présente dans le sperme à des fins contraceptives.
L'idée était que si on pouvait immuniser une femme contre le sperme, on la rendrait stérile. Ces recherches nous ont été demandées par un autre pays qui avait un problème d'explosion démographique dans le cadre d'un échange de technologies. Ils nous ont donné certaines choses et nous ont demandé de faire ça pour eux. Je parviens à me procurer le dossier du FBI sur Larry Ford, mais bon nombre de pages ont été censurées pour des raisons de sécurité nationale. Cela laisse peu d'indices quant à son travail supposé sur une arme raciale et ses liens réels avec les renseignements américains. Les gouvernements britanniques et américains se sont donné beaucoup de mal pour faire disparaître les preuves du projet Coast. Ils ont fait pression sur l'Afrique du Sud pour qu'elle détruise ses stocks d'armes biologiques et tous les documents s'y rapportant. Basson affirme que ces stocks ont été jetés à la mer. L'eau de mer a un tel pouvoir oxydant que tout disparaît très vite. On a tout lancé après plusieurs heures de vol, je ne sais pas exactement où, j'étais assis à l'arrière de l'avion, mais le pilote doit le savoir. À un certain moment, il a ouvert la porte, on a tout jeté et on est rentré. Dresch se procure un rapport top secret de l'armée sud-africaine au président Mandela, déclarant que les stocks du projet Coast ont été détruits. Mais il découvre aussi que quelques mois après l'envoi des lettres contaminées, un ancien scientifique du projet Coast, Dan Goosen, a tenté de vendre à Washington ces germes qui avaient été soi-disant jetés à la mer. Le deal, c'était que Goosen devait recevoir 5 millions de dollars et qu'il livrerait la cache secrète où se trouvent les stocks de bioarmement du projet Coast. Parmi lesquels il y aurait environ 70 souches du bacille du charbon, dont plus d'une douzaine seraient extrêmement virulentes. Des tractations de haut niveau s'engagent avec des agents du FBI et de la CIA, puis s'interrompent au dernier moment. En utilisant Dresch comme source, Sam Saul révèle l'affaire en Afrique du Sud. La raison pour laquelle les Américains ont brusquement fait marche arrière n'a jamais été élucidée. Quand nous avons écrit l'article, nous avons appelé le FBI et la CIA, mais ils n'ont pas voulu faire de commentaires. C'était d'ailleurs assez amusant. Donc oui, il reste beaucoup de points d'interrogation. Dan Goosen accepte de me rencontrer dans un lieu public, mais refuse d'être filmé. Il m'explique qu'il ne pourra jamais me raconter toute l'histoire. C'est trop dangereux. Goosen a toujours la main sur la cache d'armes. Personne d'autre ne sait où elle est. Le gouvernement sud-africain a baissé les bras et ne fait rien. Elle est toujours là, quelque part. C'est une famille très soudée. Ce petit jeu autour de l'anthrax, les Américains et les Britanniques y jouent ensemble. Et c'est prouvé. Tous les gouvernements tremblent dans ces affaires louches. Et ils ne s'arrêteront pas. Pourquoi le feraient-ils ? Je suis sûr qu'aujourd'hui encore, ils sont mouillés jusqu'au cou. Les Américains sont mouillés. S'ils ne veulent pas se laisser distancer, ils sont obligés de garder tout ça. Lors de mon dernier jour en Afrique du Sud, j'étudie les archives du projet Coast et j'y trouve la trace de visites faites par des scientifiques sud-africains à des laboratoires biologiques privés et étatiques en Europe et en Amérique. San Antonio, la Nouvelle-Orléans, Jackson. Suis-je tombé sur la piste d'un vaste réseau qui manigance pour fabriquer une nouvelle génération d'armes biologiques? Parmi ceux que cette perspective inquiète, il y a le professeur Ellen Purkett.
Je suis certaine que certains gouvernements continuent de mener des recherches dans ce domaine. Et que c'est sans doute ce qui nous attend à l'avenir, des armes biologiques capables de cibler certaines populations. Je trouve ça terrifiant. Le Conseil national ami d'Afrique du Sud a son ordre du jour. Pia Hollenstein, la députée des Verts, soutenue par les partis de gauche, réclame la mise sur pied d'une commission d'enquête sur les relations entre la Suisse et le régime d'apartheid. Elle estime que ce dossier est semblable à l'affaire des fonds juifs. C'est aussi grâce à la Suisse, estime une partie du Parlement, que l'Afrique du Sud a réussi à vendre son or et ses diamants sur le marché mondial. En effet, seule contre la communauté internationale, la Suisse a toujours refusé d'appliquer contre Pretoria des sanctions économiques, incompatibles avec sa neutralité. Schweizer Unternehmen haben vom rassistischen Gewaltregime in Südafrika. Le Parlement refuse la création d'une commission indépendante qui rouvrirait le dossier sud-africain. Banlieue de Zurich, mars 1999. Je m'appelle André Jacomet. Je suis le neveu de Jürg Jacomet qui est décédé en octobre 1998. À la fin des années 80 et au début des années 90, j'ai travaillé pour mon oncle. Il était en contact avec toutes sortes de personnes, principalement d'Afrique du Sud. Il fallait les conduire en limousine de luxe dans toute la Suisse. Et c'est moi qui ai servi de chauffeur à Jürg Jacomet. Je sais qu'il avait beaucoup d'amis à l'armée. Il leur avait expliqué pourquoi certaines personnes avaient besoin d'entrer en Suisse. Ils ont donné des instructions pour faire établir des papiers qui leur permettent d'entrer dans le pays. Les voyageurs que Jürg Jacomet vient accueillir à l'aéroport sont des militaires. Le général Lothar Nikling et le docteur Wouter Basson, brigadier dans les services médicaux de l'armée sud-africaine. Je me suis laissé dire que le docteur Basson, quand il venait ici, disposait d'un passeport qui l'autorisait à accéder à la zone de transit de l'aéroport. Il donnait à certains invités spéciaux des papiers qui leur permettaient de passer la douane sans être contrôlés. Ils ne franchissaient pas la douane officiellement. Ils entraient en Suisse en passant par le transit, incognito en somme. En Afrique du Sud, le docteur Basson est aujourd'hui dans le collimateur. Une commission gouvernementale baptisée Commission Vérité et Réconciliation a découvert que cet officier de haut rang dirigeait le programme secret d'armement chimique mis sur pied par le régime d'apartheid. Basson a refusé de coopérer avec cette commission, mais ses anciens collaborateurs ont révélé l'essentiel de son projet secret. Un programme dont les horreurs valent au docteur Basson le titre de Mengele de l'apartheid. Les activités du docteur Basson l'amènent à fréquenter la Suisse à de très nombreuses reprises. À l'occasion d'un séjour à Zurich en novembre 1993, il est arrêté par la police au guichet de la Anlage und Kreditbank, l'AKB, pour une tentative de fraude. La justice zurichoise a refusé de nous expliquer les circonstances de cette arrestation. Lors de son arrestation à Zurich, le brigadier sud-africain a été longuement interrogé par le juge d'instruction. Nous nous sommes procuré la déposition de Wouter Basson et nous avons pu ainsi reconstituer la piste suisse des chimistes de l'apartheid. Où et quand avez-vous rencontré M. Jürg Jacomet? Ça doit être en 1982-1983. Je l'ai rencontré à Zurich à l'occasion d'une visite du général Nettling et de moi-même. Il s'agissait de boucler une livraison d'armes pour le gouvernement sud-africain. Monsieur Jacomet m'a été présenté comme un marchand d'armes qui représentait plus ou moins officiellement le gouvernement suisse. J'ai eu le sentiment qu'il faisait partie des services de renseignement suisses. Il était capitaine dans l'aviation. Lorsqu'on observait les pouvoirs dont il disposait, en particulier ses entrées dans tous les bureaux à Berne et dans les aéroports, nous n'avions aucune raison d'en douter.
Un homme a bien connu Jörg Jacomet. Il occupe depuis 1990 une des fonctions les plus importantes de l'armée suisse. Monsieur Jacomet est un citoyen suisse. Il était officier des forces aériennes. Il a fait l'école d'officier avec moi en 68 et ensuite on a un peu suivi le chemin, moi comme pilote de chasse dans le 1er régiment d'aviation, lui comme officier de renseignement dans un autre régiment d'aviation, et bien sûr on se connaissait, on se voyait au cours tactique, etc. Monsieur Jörg Jacomet, encore au début de sa carrière d'officier de renseignement, est très dédoué à la cause, et surtout, ce qui était intéressant dans les années 80, il avait des contacts professionnels avec l'Europe de l'Est. Donc très souvent, il rentrait par sa profession, ce qui est légitime, en Suisse, il rentrait dans ses services militaires au cours de répétition et il nous informait sur ce qu'il avait vu dans les pays de l'Est pour ce qui concernait des systèmes d'armes. Nouveaux avions soviétiques, des armes DCA, etc. Et ceci, bien entendu, était très intéressant pour nous comme pilotes, comme camarades et comme service de renseignement. Cette situation, malheureusement, était moins bonne après les années 90, quand il est entré en contact avec des gens qui n'étaient pas tellement favorables pour lui. Nous sommes ici à Rümlang, le village où Jörg Jacomet avait ses bureaux. C'est ici que mon oncle rencontrait ses partenaires pour ses affaires, dont le docteur Basson. Und auch, wenn sich getroffen hat mit dem Dr. Basson. Est-ce que Jacomet vous a vendu des armes entre 1982 et 1987? Il ne m'a pas vendu des armes personnellement. Il a cependant vendu des armes à la police paramilitaire sud-africaine. Je ne sais pas s'il a aussi vendu des armes à l'armée, je n'étais responsable que du transfert de technologie. Jacomet livrera ainsi plusieurs lots de fusils à pompe à la police sud-africaine. Des armes qui serviront à alimenter la violente répression contre les Noirs qui se soulèvent dans les ghettos contre le pouvoir blanc. Aujourd'hui, le sinistre pénitencier de Robben Island est devenu un haut lieu du souvenir. Des milliers de touristes viennent visiter la prison, bâtie sur une île au large du Cap. C'est ici que l'ancien régime mettait les opposants politiques aux travaux forcés. Ces touristes viennent se souvenir ici des années de plomb, de la ségrégation raciale qui a coûté des milliers de vies, noires essentiellement. Violation systématique des droits des gens, arrestations, tortures, exécutions sommaires. Toute une population qui tente de sortir aujourd'hui d'un long cauchemar. Personne en Afrique du Sud ne peut prétendre qu'il ignorait que les droits de l'homme étaient systématiquement violés. Ces violations ont suscité une grande indignation dans l'opinion publique. Le nombre de décès en cours de détention était à lui seul suffisamment élevé pour alerter les gens. Par contre, la question est de savoir si l'homme était conscient de l'ampleur du phénomène. C'est le vrai problème. Cell number five, this is where President Mandela was staying. We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Ladies and gentlemen, as you see the cell, there were no beds. In fact, the whole prison, prisoners did not have beds. Prisoners were using those kind of mats, those kind of blankets. President Mandela stays in this cell for about 18 years full. Before he was taken to Portsmouth, he was staying in this cell. From Portsmouth, he was taken to Victor Verster, near to Paarl, where he was released. Il faudra attendre 4 ans après la libération de Nelson Mandela, figure emblématique de la lutte des Noirs, pour qu'enfin s'installe la démocratie en Afrique du Sud. Dès son élection à la présidence en 1994, Nelson Mandela appelle à la réconciliation des races et des cœurs. Mais la réconciliation passe d'abord par la vérité, exercice unique dans l'histoire de l'humanité. L'Afrique du Sud entame alors un fantastique travail de confession. Durant plus de 2 ans, les bourreaux et les victimes de l'apartheid sont invités à témoigner volontairement devant l'archevêque Desmond Tutu et ses collègues de la commission Vérité et Réconciliation.
These hearings provide a forum. Ces audiences donnent une voix à ceux qui autrefois ont été traités comme des moins que rien. Au total, plus de 15 000 témoignages retransmis en direct dans tout le pays devant des foules immenses. La commission dispose d'une équipe d'experts et de juristes pour mener ses enquêtes. Les témoignages les plus horrifiants viennent confirmer les violations massives des droits de l'homme commises au nom de la ségrégation raciale. While this was happening, you were suffocated. Un exercice de mémoire bouleversant, souvent insoutenable. L'Afrique du Sud découvre alors avec effroi comment les hauts responsables du régime d'apartheid ont froidement et systématiquement planifié en secret l'élimination sommaire des opposants qui menaçaient leur pouvoir. La commission Vérité et Réconciliation elle-même a été surprise de constater que toutes les villes du pays étaient le théâtre de violations de la même ampleur. La police torturait, les gens disparaissaient, ils mouraient en garde à vue. C'est bien sûr un choc pour notre pays. Les Sud-Africains ont aussi été choqués par le degré de sadisme des bourreaux. La seule explication, c'est que l'État disposait d'une stratégie coordonnée pour parvenir à ses fins. Plus symbolique que nul autre acteur de cette stratégie d'élimination, le docteur Wouter Basson fait son apparition dans la longue liste des agents de l'apartheid. L'ex-brigadier médecin de l'armée sud-africaine est arrêté par hasard en janvier 1997 à Johannesburg pour trafic de stupéfiants. La police découvre sur lui de grosses quantités de drogue, comme l'ecstasy. Et ils ont même dit qu'il s'était mis à préparer des drogues comme l'ecstasy ou le mandrax. Aujourd'hui, on se demande pourquoi nos communautés sont ravagées par la drogue. Est-ce que c'était l'une des nombreuses méthodes de l'apartheid destinées à diminuer nos populations noires ? Les enquêteurs de la commission Vérité et Réconciliation vont remonter la piste du docteur Basson. Ils découvrent un vaste programme secret de l'armée visant à exterminer au moyen de poison les opposants au régime d'apartheid. Nous arrivons maintenant à l'ère Hôtel Rumland. C'est là que le docteur Basson séjournait quand il était en Suisse. Quel type de personnage était le docteur Basson? Quelle impression est-ce qu'il vous a fait? Le docteur Basson est une personne pour qui j'avais un respect absolu. C'est un homme très intelligent, possède de vastes connaissances. C'est un cardiologue au service de l'ex-président Botha. En tant que médecin, il m'inspire le plus grand respect et je respecte également ses connaissances. J'ai aussi appris qu'à l'armée, il était très estimé pour ses états de service. Pour ma part, je l'appelais général sergeant. Il forçait le respect. À plusieurs reprises, il a été invité pour une fondue. Je conduisais alors chez Jürg Jacomet et sa famille. Je n'assistais jamais vraiment qu'à la vérité. Mais cela suffisait pour voir l'atmosphère et constater qu'ils étaient de très bons amis. Comment s'est alors développée votre relation avec Jürg Jacomet? Nous avons développé une relation professionnelle et d'amitié. À cette époque, le gouvernement sud-africain était engagé dans une guerre en Angola contre les Russes, les Cubains et les Allemands de l'Est. J'étais chargé d'une unité spéciale en opération en Angola, dont la mission était d'étudier les armes nouvelles et les techniques de notre adversaire. Nous avons ensuite remis un résumé de nos expériences au service secret à Berne. Jacomet assurait la coordination entre les services secrets suisses et nous-mêmes. Il a pu se rendre à de nombreuses reprises en Afrique du Sud, et nous l'avons emmené souvent dans les zones d'opération, c'est-à-dire en pleine guerre, où nous lui avons montré les armes que nous avions récupérées. Ainsi, nous avons pu montrer aux Suisses les toutes dernières rampes de lancement des missiles. Dans les années 80, il y avait le conflit en Angola, où des moyens occidentaux, et je parle bien des moyens militaires occidentaux, étaient confrontés avec des moyens du pacte de Varsovie. Par exemple, je vous rappelle que l'Union soviétique a utilisé des avions, des moyens DCA, des moyens anti-chars, des chars, qui étaient actuels soit sur le continent africain, en Angola par exemple, et ailleurs,
mais soit surtout dans les divisions et dans les forces armées qui étaient de l'autre côté de l'OTAN. Donc c'était tout à fait correct et nécessaire que les services de renseignement recherchent l'information partout dans les scénarios qui étaient actifs et qui donnaient des enseignements. Aussi pour la Suisse, pour les forces armées, pour les forces aériennes. Et pour avancer une de vos questions qui vont certainement venir, vous vous rappelez que la Suisse avait pu envoyer des pilotes en Afrique du Sud qui volaient le même type d'avion comme la Suisse, donc le Mirage. Et ces pilotes qui ont pu utiliser l'expérience de ces pilotes sud-africains ont ramené des enseignements très importants qui ont eu une influence directe sur la définition de la tactique des Mirages reconnaissance et des Mirages défense aérienne. L'affaire des échanges de pilotes s'est déroulée dans le plus grand secret durant toutes les années 80. Elle ne sera découverte qu'en 1993. Une enquête parlementaire conclura que le divisionnaire Redley a agi sur l'ordre de ses supérieurs et que rien ne peut lui être reproché. Au cours des années passées au département des affaires étrangères, Édouard Brunner s'est particulièrement intéressé au dossier sud-africain. En tout cas, nous, aux affaires étrangères, on n'était pas très au courant de ce que faisaient d'autres départements, notamment dans le domaine militaire ou des services secrets. Et moi, je crois que des zones d'ombre, il y en a eu. Moi, j'en ai vécu aussi. Il y avait des Suisses qui voyageaient dans certains de ces pays. Nous aurions préféré qu'ils ne fassent pas certains voyages et qu'ils ne soient pas présents à certains endroits. Il y a là toute une série de choses qu'on ne fait pas. Et la même chose, il y avait certains voyages plutôt agréables organisés pour des politiciens suisses en Afrique du Sud, qui étaient un peu gênants. Donc il y a là toute une série de choses que les citoyens suisses ont fait que nous n'avons pas, mais que nous ne pouvons pas empêcher. Les Suisses sont libres de faire ce qu'ils veulent à l'étranger. On ne peut pas les empêcher. Le conseiller national zurichois Ulrich Schlür était justement de ces parlementaires qui aimaient à se rendre au pays de l'apartheid. Proche de Christoph Blocher au sein de l'UDC, Ulrich Schlür est vigoureusement opposé à la création d'une commission d'enquête sur la Suisse et l'apartheid. Lors du débat du 3 mars dernier, il a été personnellement attaqué pour ses sympathies à l'égard du régime de Pretoria. Je me suis rendu environ 15 fois dans différents pays d'Afrique australe entre 1980 et 1995. Vous avez sous les yeux les journaux que j'ai tenus lors de ces voyages. On y trouve les choses les plus diverses. Au hasard, je trouve ici le compte-rendu d'une visite dans un centre de formation de la police sud-africaine. C'était une époque de troubles, parfois de troubles graves. Par exemple, j'ai passé à Mamelodi toute une journée avec la police, simplement pour voir ce qui se passait dans une township sud-africaine, c'est-à-dire une banlieue noire contrôlée par la police. Je voulais savoir ce que faisait la police, comment les choses se passaient. Je me suis rendu plusieurs fois dans des sites militaires. J'ai entendu présenter plusieurs rapports sur la situation militaire. Par exemple, dans l'infanterie. Mais j'ai aussi été un jour à la base de marine à Simonstown. La question de la sécurité était toujours importante. Il ne faut pas oublier qu'on était en pleine guerre froide. Les multiples reportages de ce journaliste un peu particulier viendront alimenter le journal de Lhasa. À travers ses publications, ce groupe combat violemment l'application de sanctions contre le régime d'apartheid. À Lhasa, on considère Nelson Mandela comme un terroriste et Desmond Tutu comme un ecclésiastique suspect. Comment était soutenu Lhasa financièrement? De quoi vivait Lhasa? Et qui payait ses voyages? Le bulletin avait des abonnés. À certains moments, nous avions à peu près 3000 abonnés. Et puis, il y avait les entreprises suisses qui étaient actives en Afrique du Sud. Vous pouvez nous donner quelques noms? Eh bien, il y avait Sibagaigi, Hoffmann La Roche, l'Union de Banque Suisse. Le docteur Basson poursuit ses voyages. En bon agent secret, il va profiter d'un incident tragique pour gagner la confiance de ses partenaires suisses. Et puis, je pense que c'était en 1987.
Un avion de la Croix-Rouge, dont le pilote était suisse, a été abattu au-dessus de l'Angola. Le gouvernement suisse a essayé de retrouver et de ramener la carcasse de l'avion afin de l'examiner et de voir quel type de projectile l'avait abattu. Le général Nettling et moi-même avons alors suggéré aux Suisses qu'ils devaient renoncer à l'idée de récupérer leur avion, qu'ils n'y arriveraient jamais. Ils devaient plutôt essayer de récupérer le corps du pilote. Nous avions déjà fait l'expérience en Afrique du Sud que grâce à un examen minutieux d'un corps, on peut trouver des pièces de métal et de missiles. C'est ce qu'a fait le gouvernement suisse. Ils ont reçu le corps et l'ont examiné. On peut malheureusement pas parler des corps. Les dépouilles ont été rapatriées avec un seul but d'identification des corps. Le seul autorité compétente était effectivement les services scientifiques de la police cantonale de Zurich qui étaient à même de faire cette identification. Le général Nettling et moi-même sommes repartis en Suisse. Nous avons eu un entretien avec un certain Jakob Mayer, je ne suis plus sûr du nom, de l'Institut de médecine légale de la police cantonale zurichoise. Ils ont retrouvé une pièce de métal dans le corps du pilote qui prouvait qu'elle provenait d'un missile SAM-3. Cela a permis de prouver que le gouvernement angolais était responsable de cet attentat. Je vous ai présenté une déclaration du brigadier Wouter Basson devant la justice zurichoise le 1er décembre 1993 que je vous ai fait lire. Quelle est votre réaction à ce document? Écoutez, pour moi c'est une réaction avant tout d'abord. J'apprenais quelque chose que je n'avais pas du tout lu ni entendu jusqu'à aujourd'hui. Et deuxième réaction, plutôt un fort étonnement de ces liens qui ici sont établis, dont, pour ce qui me regarde, je n'ai absolument aucun élément pour pouvoir les établir. Un ancien agent des services secrets suisses nous confirme ses rapports de confiance. Comment étaient organisés les contacts avec les services de renseignement sud-africains? Dans notre domaine, la tradition veut que les services se rencontrent alternativement dans leur pays d'origine. Les spécialistes des différents dossiers voyagent et rencontrent leurs homologues. Ça signifie que les responsables des renseignements suisses se rendaient fréquemment en Afrique du Sud? Dans les années 80, il y a deux fois par année. Il y a aussi de la réciprocité, donc environ 4 contacts directs par année. Et les séjours duraient combien de temps? Aux alentours d'une semaine. Il y avait une part de travail, mais aussi des loisirs, car les Sud-Africains avaient coutume d'offrir un safari au parc Kruger. C'était devenu une plaisanterie dans le service d'appeler safari ces contacts. Nos chefs s'arrachaient les voyages en Afrique du Sud et ils se battaient moins pour des contacts qui étaient moins touristiques. Et que savaient vos services du programme d'armement chimique de l'Afrique du Sud? D'après mes informations, mais nos services étaient conscients que l'Afrique du Sud tentait de développer des armes de destruction massive sans avoir accès aux détails. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle était l'image de l'ennemi dans les années 80 pour les services de renseignement suisses? Alors, dans les années 80 jusqu'à 90, l'image de l'ennemi était bien sûr la guerre froide, je me répète, était le pacte de Varsovie. La Suisse était prête à faire face aussi à une éventuelle invasion. Donc, surtout les services de renseignement étaient concernés, étaient occupés par le travail de se préparer le mieux contre une éventuelle agression militaire. Et bien sûr, militaire voulait aussi dire moyens atomiques et moyens chimiques, moins le biologique, parce que le biologique, comme vous le savez peut-être, a plutôt apparu après les années 90. Et c'est pour ça que nous avons nos laboratoires de chimie à Spiez, qui appartiennent au département de la Défense, avec une réputation internationale, qui aussi, dans les années 80, s'occupait surtout de la question comment se protéger contre des agents chimiques, dans le cas d'une attaque soit terrestre, mais aussi pour les pilotes. Pendant la guerre froide, c'est évidemment le potentiel soviétique d'armes chimiques qui nous préoccupait. C'est d'ailleurs contre ce potentiel que nous avons élaboré nos mesures de protection. Bien entendu, il y avait aussi d'autres conflits dans le monde, en Afrique, au Mozambique, en Angola, en Namibie, où l'on nous signalait sporadiquement des utilisations supposées d'armes ou de produits chimiques, et dont on parlait publiquement dans la presse. De temps à autre, des indications nous parvenaient selon lesquelles un nombre relativement important de pays, environ 30 ou 35, étaient susceptibles d'utiliser des armes chimiques, et l'Afrique du Sud figurait parfois sur la liste.
À ce moment, les Cubains avaient commencé à utiliser des armes chimiques contre l'UNITA. J'ai été nommé à la tête de l'enquête et chargé de développer des contre-mesures. C'était important. Parce qu'à l'époque, les moyens développés par les Européens n'étaient pas suffisants. Nous avions étudié les procédures et les techniques chimiques partout dans le monde. En Suisse, Jacomet nous a présentés à des gens qui travaillaient dans le domaine des mesures contre les armes atomiques et chimiques. L'endroit le plus important pour nous était le quartier général de la défense atomique chimique de Spitz. En particulier, dans le domaine de la recherche technique et afin d'échanger des modèles mathématiques. Est-ce que les Sud-Africains ont cherché à rentrer en contact avec le laboratoire de Spitz durant ces années? Nicht direkt in Spitz, aber pas directement à Spitz, mais je sais qu'un entretien a eu lieu à Berne avec des représentants de l'Afrique du Sud. Vertreten von Südafrika, wo zwei deux de mes collaborateurs y ont assisté. À cette occasion, les Sud-Africains ont transmis de l'information sur la Namibie et l'Angola. Die Fälle in Namibia, Angola informiert von südafrikanischer Seite. Et que cherchaient ces Sud-Africains? Sie haben, so viel d'après ich ce que m'ont dit mes collaborateurs, les Sud-Africains ne réclamaient rien. Ils ne faisaient que fournir des informations. Notre devoir était de les écouter. Qui a organisé cette réunion? Je ne sais pas exactement qui l'a organisé. C'était une réunion du groupement de l'armement à Berne. Aujourd'hui, je sais que M. Jacomet était manifestement l'organisateur de cette rencontre. Le compte-rendu interne de cette réunion prouve que ce sont bien les services de renseignement suisses qui ont organisé la rencontre. Qui sont les personnalités sud-africaines qui participaient à cette rencontre? Il s'agissait du brigadier Basson et du général Nittling. Devant l'ampleur des révélations faites devant la commission Vérité et Réconciliation, la justice sud-africaine a mis de gros moyens pour mener son enquête. Le 24 mars dernier, elle a mis le point final à son acte d'accusation contre Wouter Basson, un document de plus de 300 pages. Il décrit en détail les horreurs exécutées par le programme chimique de l'apartheid, baptisé Project Coast. Ce projet est lancé en 1982 par l'armée sud-africaine dans le but d'acquérir l'arme chimique. Le docteur Basson est chargé de diriger les opérations. Wouter Basson sera bientôt sous les feux de la justice, qui l'accuse de 16 meurtres, de 13 complicités de meurtres ainsi que de fraude. Le procès du Mengele de l'apartheid s'ouvrira dans quelques mois dans la capitale sud-africaine, Pretoria. Un homme, le procureur Yann de Oliveira, soutiendra l'accusation. Son enquête l'a conduit hors des frontières de l'Afrique du Sud. Je voudrais rassurer la Suisse. La Suisse n'est pas le seul pays dont on a usé ou abusé, ou dont on a prétendument usé ou abusé. Mais en Suisse, comme nous le mentionnons dans l'acte d'accusation, M. Basson disposait de mécanismes lui permettant de conserver ou de transférer de l'argent sur des comptes, et de gérer ainsi les sociétés qu'il avait lui-même créées. Voilà pour la Suisse. Ensuite, il disait à ses supérieurs ou aux autorités, je me suis procuré tel ou tel produit chimique ou tel appareil en Suisse. Étant donné son rang d'officier supérieur, on lui faisait confiance et on lui versait l'argent qui finissait dans ses poches. En fait, les activités en Suisse de Wouter Basson vont s'appuyer sur un système de société établi en Afrique du Sud. Non loin de Pretoria, Delta G, cette entreprise sert de couverture et dissimule de fait le projet Coast. Sa véritable activité, l'acquisition et la fabrication de poisons sophistiqués. À travers le monde entier, Delta G installe un vaste réseau de sociétés écrans permettant à l'équipe du Dr Basson de se procurer ses produits mortels. À Ashville, dans le canton de Bâle, la Mädchenforschung AG, dirigée par un certain docteur David Chou, a été mise en place et contrôlée par Basson lui-même. Je peux seulement dire que ce n'était pas une société écran. Les services que nous fournissions allaient toujours dans le sens d'expériences pharmaceutiques standards pour développer des médicaments destinés aux thérapies et non à la destruction d'êtres humains. Ici aussi, on utilise des singes. Mais c'est difficile de faire des expériences sur des singes. La bureaucratie est très lourde. Il y a beaucoup de règlements et de lois à respecter.
L'acte d'accusation cite pourtant à plus de 20 reprises les opérations menées par le docteur David Chou. Bien entendu, à l'époque, nous ne savions rien de ce programme. Nous ne savions pas que le docteur Basson était impliqué dans quoi que ce soit. Ce n'est que rétrospectivement qu'on se dit mon Dieu. En Afrique du Sud, Basson et son équipe disposent d'un autre laboratoire secret, celui de Rodeplat. Sa spécialité, la biologie et le développement de maladies comme le choléra ou le sida. Des germes mortels y seront fabriqués et utilisés à de nombreuses reprises. Quant au docteur Chou, il devra prouver son innocence à la barre de la justice sud-africaine qu'il a sommé à comparaître. Pendant tout le temps où la MedCam était en activité, soit durant 2 années, personne ne nous a rendu visite. Ni la police, ni la police fédérale, ni les services secrets, personne. Wouter Basson poursuit sa route en Suisse où il continue à tisser méticuleusement sa toile. Grâce à Jürg Jacomet, il visite les entreprises les plus prestigieuses du pays. Nous sommes ici à Pfäffikon, dans le canton de Zurich, juste devant le bâtiment de Huber. C'est l'entreprise qui a fabriqué dans les années 80 les nouveaux masques à gaz pour l'armée suisse. Je suis heureux de dire que nous commercialisons un des meilleurs masques à gaz du monde. Les gens d'Afrique du Sud avec lesquels nous avons eu des contacts en 1988 sont venus nous trouver et nous avons conclu un contrat portant sur la livraison de masques de protection. La petite délégation d'hommes d'affaires qui se rend à Pfäffikon représente de mystérieuses firmes de Pretoria, Technotech ou ICVM Trading. Sur le contrat conclu avec Huber et Zuner figure également le nom d'une société suisse, Intermagnum à Rümlang. Qui représentait la firme Intermagnum? Elle était représentée par un certain monsieur Jürg Jacomet. Est-ce que le nom du docteur Basson vous dit quelque chose? Nous avons fait des recherches dans nos archives. Bien entendu, je connais aujourd'hui le nom du docteur Basson, notamment grâce à vos informations. Il est venu ici, mais il n'est resté que très peu de temps. Il n'a fait que se montrer. Je crois que c'était en 1991. Et au bout de quelques minutes, il a repris son propre emploi du temps. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant sa visite ici à Huber & Zuner? Je n'ai pas pu faire de recherche là-dessus. Il est simplement venu ici et nous a tous salués et s'est présenté comme médecin du service médical de l'armée sud-africaine. Le docteur Basson et ses acolytes feront encore de nombreuses visites d'affaires à Pfäffikon. À l'occasion d'un de ses voyages en Suisse, Basson se rend alors à Lucerne. C'était au début des années 90, peut-être en 1993, au milieu d'hiver. Il tombait une forte pluie, mais il y avait de neige. Ce jour-là, nous sommes partis tôt le matin de Rümlang. Le docteur Basson, mon oncle Jürg Jacomet et moi. Nous avons déposé le docteur Basson à l'hôtel national à Lucerne et nous avons continué jusqu'à Spiez par le Brünig. Au laboratoire de Spiez, si je me souviens bien, nous sommes allés chercher deux experts que nous avons ramenés à Lucerne. Jürg Jacomet m'a expliqué qu'il s'agissait d'une rencontre hautement confidentielle entre experts en substances chimiques et biologiques, et qu'il ne fallait en parler à personne. Il m'a dit qu'il s'agissait d'experts venus des États-Unis, d'Allemagne, de Suisse, et également des militaires de haut rang venus d'Afrique du Sud. Je crois que les gens qui gravitent dans ce genre de milieu ont besoin les uns des autres. Ils ne peuvent pas à eux seuls assurer la bonne marche de leur programme. Pour gérer ce type de programme, tout le monde sait qu'il faut s'adresser à des pays comme la Suisse ou à l'Union soviétique à une certaine époque pour avoir accès aux compétences et aux connaissances nécessaires. En général, les scientifiques de ce type restent en contact les uns avec les autres.
Generally, scientists of that nature keep in touch with each other. Faciliter les contacts entre chimistes suisses et sud-africains, c'est la mission de Jörg Jacomet. Peu avant sa mort, en octobre 1998, Jacomet comptait écrire un livre et il avait préparé quelques notes à l'intention de son éditeur. Voici ce qu'il lui écrit. 6 juin, un article de la Neue Zürcher Zeitung du 12 avril 1998. Encore aucune piste qui ne mène en Suisse vers le laboratoire chimique et bactériologique de Spitz, qui a effectué par mon intermédiaire des analyses. Il s'agit d'échantillons de sang apportés à Zurich par les généraux Nettling et Basson et prélevés sur des soldats, c'est-à-dire des victimes. Une véritable bombe pour le futur. La Suisse devra s'expliquer et ce ne sera pas amusant. Comme le révèle l'acte d'accusation, le laboratoire de Spitz est en effet convoqué à la barre. Bernard Brunner et son adjoint devront s'expliquer sur leur relation avec les chimistes de l'apartheid. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances de ces tests de sang que les Sud-Africains souhaitaient voir analysés par le laboratoire de Spitz ? Voici comment cela s'est passé. Par une voie détournée, nous avons reçu des échantillons de sang qui nous ont été envoyés par la poste, accompagnés d'une demande d'analyse. Nous avons chez nous un système de garantie de la qualité. Normalement, nous n'analysons pas les échantillons dont nous ne connaissons pas exactement la provenance, le nom de la personne qui les a prélevés, par quel truchement ils sont parvenus jusqu'à nous. C'était justement le cas. Nous avons supposé que ces échantillons sanguins provenaient de victimes de substances chimiques de combat. Les Sud-Africains espéraient sans doute que par le biais de ces analyses, nous pourrions tirer des conclusions sur la nature des armes chimiques utilisées. L'expéditeur des tests sud-africains à Spitz s'appelle Niklaus Schleifer. Son entreprise était autrefois spécialisée dans le matériel de protection contre les armes chimiques. Il a reçu du docteur Basson une liste de symptômes observés chez les victimes de poisons toxiques. Vomissement, perte de conscience, paralysie. Niklaus Schleifer affirme n'avoir rien su de l'origine exacte des mystérieux flacons remis par le docteur Basson. Non, très honnêtement, je n'ai jamais rien soupçonné. J'ai eu le sentiment, enfin à l'époque l'idée ne m'est simplement pas venue. Et aujourd'hui, eh bien, tout est possible. Je me dis, why not? Mais je n'ai aucune preuve. Et à l'heure actuelle, c'est difficile d'en savoir plus. C'est vraiment brûlant. Si l'origine exacte de ces prélèvements restait mystérieuse, il est certain par contre que leur commanditaire était le patron des usines à poison de Pretoria, Wouter Basson. Des usines où l'on se livrait à toutes sortes d'expériences mortelles, comme l'explique le procureur Ian Dolivet. Je vais vous donner un exemple typique, pas un nom, mais un exemple parlant. Prenons le cas d'une personne qui tombe affreusement malade et dont l'état ne cesse d'empirer. Heureusement, ses voyages à l'étranger l'amènent dans un pays doté d'un système médical de pointe où les médecins lui disent qu'on est en train de l'empoisonner. Et l'enquête permet de remonter la piste jusqu'au service dirigé par le docteur Basson. Parfois, la personne meurt effectivement, et ce n'est alors plus une tentative de meurtre, mais un meurtre par empoisonnement. C'est le genre d'affaire dont nous nous occupons, et c'est très grave. Accusation numéro 31, complicité de meurtre. Dans les années 80, le quartier général de l'armée à Pretoria constate que les prisons sont surpeuplées de détenus appartenant à la guérilla namibienne, où l'Afrique du Sud est engagée. Wouter Basson reçoit l'ordre de liquider ces détenus. 200 hommes sont ainsi empoisonnés et jetés à la mer d'un avion spécialement affrété pour cette mission. À une occasion au moins, Basson était assis à l'avant de l'appareil et a personnellement dirigé une opération de largage de 5 cadavres dans la mer. Accusation numéro 56, meurtre. Un agent mozambicain, devenu un risque pour la sécurité, a été menotté et mis sous narcotique. Une combinaison de deux poisons, la scoline et la tubérine, fournie par Basson, lui a été injectée. Le mort a été chargé dans un hélicoptère et son corps a été abandonné dans la brousse au milieu du parc Kruger. Alors qu'il développe son programme de liquidation, le docteur Basson est également chargé de mettre au point la défense de l'Afrique du Sud contre les armes chimiques.
une double mission dont il va constamment jouer durant ses longs séjours en Suisse. Ses interlocuteurs comme la société Huber et Zuner n'y verront que du feu. Jacomet nous a également présenté à l'entreprise Huber et Zuner. Cette entreprise fabrique des masques à gaz pour l'armée suisse. J'ai été le responsable des négociations avec Huber et Zuner qui ont sans doute eu lieu entre 1987 et 1988. Le but de nos discussions était d'obtenir le transfert de la technologie suisse vers l'Afrique du Sud afin d'y produire ces masques. Nous avons vendu environ 40 000 masques de protection de trois grandeurs différentes qui correspondent au même modèle que nous avons vendu plus tard à l'armée suisse. Mais au total, entre la vente de la licence et la vente des masques à gaz et des pièces, c'est une affaire qui portait sur à peu près combien de francs suisses? Environ 8 millions de francs suisses. Nous n'avions aucune raison de penser que, d'ailleurs mes recherches ici le confirment, on supposait que nos produits seraient utilisés pour la protection des personnes. Nous sommes venus plusieurs fois ici. Je ne me rappelle plus si le général Nittling était avec nous, mais en tout cas, nous sommes revenus avec Jörg Jacomet et le docteur Basson pour cette affaire de masque à gaz. Une délégation s'est rendue en Afrique du Sud, c'est exact, essentiellement pour des raisons techniques. Also der Besuch hat im Sommer 1992 stattgefunden. Nous avons visité plusieurs sous-traitants afin d'évaluer leur capacité à fabriquer nos produits de haute qualité. Parmi les scientifiques sud-africains rencontrés par les employés d'Huber et Zuner, le docteur Jan Lourens, un proche collaborateur de Basson. Il figure également dans l'acte d'accusation. Accusation numéro 54, complicité de meurtre. Le docteur Lourens est chargé par le docteur Basson de développer une panoplie d'armes capables d'administrer des poisons. Lettres piégées, bagues, parapluies, tournevis. Ces appareils ont été testés sur des animaux. Des agents ont été envoyés à Londres pour assassiner deux membres de l'ANC, aujourd'hui ministre du gouvernement. L'opération a échoué. Le programme secret du docteur Basson sera interrompu juste avant l'élection de Nelson Mandela à la présidence sud-africaine en 1994. Pour Huber et Zuner, les affaires avec l'Afrique du Sud s'arrêtent également à cette date. Des affaires qui ont constamment reçu le feu vert des autorités fédérales. Je pense que dans ce genre de situation, nous sommes tenus de nous fonder sur l'évaluation politique des autorités suisses. C'est précisément ce que nous avons fait en obtenant ces licences d'exportation, en recueillant ces informations et en faisant simplement confiance à l'évaluation des instances officielles en Suisse. Rien ne s'oppose, il est vrai, à ce que la Suisse vende des masques à gaz à l'Afrique du Sud. Jusqu'en 1992, la Confédération ne considère pas ce type d'équipement comme du matériel militaire et n'exige aucune licence d'exportation. Mais surtout, Berne n'applique pas les sanctions économiques contre l'Afrique du Sud et ses ressortissants. Pendant plus de 10 ans, cela permettra au docteur Basson d'aller et venir librement en Suisse et d'y mener ses affaires sans être inquiété. Grâce à Jörg Jacomet, il pourra même continuer son périple jusqu'au cœur de l'appareil fédéral. Monsieur Jacomet, malheureusement, très souvent se présentait comme représentant des services de renseignement suisses. Dans une première phase, service de renseignement des forces aériennes, et dans les années 90, comme je vous l'ai dit avant, il prétendait toujours être mon représentant à l'étranger. Et là, je dois dire très clairement, ce n'est pas le cas. Monsieur Jacomet a abusé de sa fonction d'officier de milice et de camarade de service de celui qui vous parle. Est-ce que Monsieur Jacomet vous a fourni de l'information en ce qui concerne l'Afrique du Sud? Il ne m'a pas fourni de l'information sur l'Afrique du Sud. Je me répète, il nous avait informé sur des thèmes qui intéressaient le service de renseignement, surtout des forces aériennes dans les années 80. Est-ce qu'il a alors facilité des contacts avec des personnalités sud-africaines? C'est un thème que je ne peux pas traiter devant la caméra de télévision. C'est une question justifiée et c'est une question à laquelle j'ai répondu devant la délégation de la commission de gestion du Parlement. Chargée par le Parlement du contrôle des services de renseignement, cette commission a en effet ouvert une enquête sur l'implication des militaires suisses dans l'affaire Basson. Son rapport est attendu pour le mois de juin.
Manifestement, la rumeur dans laquelle on est engagé maintenant, quelques informations, nous en avons eu quelques-unes, mais lénifiantes ne suffisent plus. Je vais dire à mes collègues que j'ai l'impression que nous devons faire une enquête approfondie pour savoir très exactement ce qui s'est passé et puis pour tirer un certain nombre de leçons. L'impression qu'il y a eu là des fréquentations bizarres. Vous pouvez être un peu plus précis ? Non, pas pour le moment. Jörg Jacquemet parviendra en effet à introduire les chimistes de l'apartheid au cœur de la Confédération sous la coupole fédérale. Wouter Basson et le général Lothar Nittling seront reçus par Peter Regli lui-même dans son bureau. Le divisionnaire nous a confirmé par écrit cette rencontre. Il s'agissait là clairement d'une visite de courtoisie dans mon bureau de la durée d'environ une bonne demi-heure. Il n'y a pas eu d'autres entretiens de ce genre avec M. Basson ici. Nous avons également discuté avec un procureur en Afrique du Sud, qui est le procureur Anton Ackermann, qui est chargé de l'enquête sur M. Basson. Lors de sa demande de libération sous caution, M. Basson a dit qu'il avait eu des entretiens en profondeur avec vous en Afrique du Sud. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer là-dessus ? Non, je ne vais pas m'exprimer là-dessus, de nouveau, parce qu'il s'agit d'un contact avec l'étranger, mais je prends volontiers note de cette question. Et si vous êtes d'accord, je la présenterai à la délégation de la commission de gestion. Décédé en octobre 1998, Jörg Jacquemet n'est plus là pour s'expliquer. Son neveu André souhaite défendre sa mémoire. Ce n'est pas la première fois, mais en mars 1999, Peter Regli essaie encore de discréditer Jörg Jacquemet. Il y a pas mal de monde qui essaie de le faire passer à la trappe, et cela réussit assez bien. Beaucoup de personnes, et pas seulement en Suisse, sont bien contentes que mon oncle soit plus en vie. Les auditions ont révélé que Basson a voyagé dans de nombreux pays et qu'il a eu un accès privilégié à un grand nombre d'usines du monde entier. Nous savons par exemple qu'il s'est rendu en Union soviétique. Son arrestation en Suisse, alors qu'il était en tractation avec les Croates, pose un certain nombre de questions. Comment a-t-il pu entrer dans votre pays sans que vos services secrets n'en soient informés ? Pourquoi a-t-il été arrêté ? Pourquoi était-il en possession de titres au porteur du Vatican ? Ces questions sont restées sans réponse. Par ailleurs, Basson sera aussi poursuivi pour détournement de fonds, ce qui nous intéresse aussi. Où est passé l'argent ? On peut se poser la question. Tout le monde dépose son argent en Suisse. Le gouvernement suisse en sait-il plus que nous sur Basson ? Que va-t-il se passer ? L'argent est-il en Suisse ? Notre pays en a besoin. La Suisse va-t-elle faire quelque chose ? Is Switzerland going to do anything about it? Le 27 novembre 1993, Wouter Basson et Jörg Jacquemet sont arrêtés par la police zurichoise devant les guichets de l'AKB, aujourd'hui la banque von Ernst. Ils reviennent tous les deux de Croatie, où Basson a chargé Jacquemet de lui procurer une drogue, la métaqualone, pour ses laboratoires. Pour financer cette opération, les deux hommes tentent d'encaisser des titres aux porteurs du Vatican. Ils sont détenus deux jours dans les geôles zurichoises avant d'être relâchés. Voici un document classé top secret signé du lieutenant général Neil Klobel, le supérieur hiérarchique de Wouter Basson. Ce document décrit les circonstances dans lesquelles Basson et Jacquemet ont été libérés. Le chef de projet, le brigadier Basson, a été libéré en vertu d'un document en sa possession qui spécifiait qu'il intervenait sur ordre et par procuration du capitaine Jacquemet. Le capitaine Jacquemet a subi un autre interrogatoire et a été libéré après l'intervention du service de renseignement suisse. Vous savez, la désinformation est une arme très importante, surtout pour quelqu'un qui a des difficultés devant la justice. Et j'aimerais bien voir cette lettre que M. Jacquemet a présentée. J'aimerais bien la voir, pour qu'on puisse prouver que j'ai joué un rôle. Je n'ai pas joué un rôle, et je le dis clairement. Ce que vous me dites là de nouveau, je l'entends pour la première fois, je suis très étonné. Et je vous rappelle, si c'était le cas, ça concerne surtout les autorités civiles, les autorités judiciaires. En Suisse, je n'ai pas de tâche, je m'occupe de l'étranger avec mes collaborateurs. Tout ce qui se passe en Suisse, c'est une question policière, donc je dois vous prier de vous adresser à la police. Je n'étais pas au courant de ce fait. Mais est-ce que vous êtes intervenu personnellement lorsque M. Basson a été arrêté ici en Suisse ? Est-ce que vous détenez des documents
qu'il portait? Certainement pas, je ne le savais même pas. Je l'ai appris après par les chemins de la justice suisse. Monsieur Basson rencontre un groupe de Croates. Le général Knobel affirme que le chef de ce groupe était le ministre croate de l'énergie. Il confirme que Wouter Basson est en position de l'officiel pour le projet Coast lors de son arrestation à Zurich. Et des forces spéciales. Oui. Il y a ensuite un accord pour acheter 500 kilos de métaqualone. C'est exact. La drogue achetée en Croatie sera livrée selon les conditions dans un laboratoire en Suisse. Si sa qualité était jugée satisfaisante, de la substance sera une somme au chef de 2 500 000 $ devait être versée sur un compte à la banque Indo-Suez à Genève. Le docteur Basson effectuera un test de ce produit en Suisse. Si le test lui convient, il paiera la somme de 4 600 $ par kilogramme et il organisera ensuite le transport, soit par Basson air depuis Zagreb, les documents et probablement des disquettes informatiques relatifs à son projet. Tout cela est donc la commission demande alors au général Knobel où il tient ses informations. Vous n'avez pas de source autre que ce que vous a dit le brigadier Basson. C'est exact. Cela peut être de l'invention, cela peut être de la réalité. Vous voulez que je fasse de la spéculation? Non. Je vous demande si vous avez une source indépendante qui confirme ce que vous dites. Non. Si ce n'est que j'ai rencontré M. Regli, qui est le chef des services de renseignement militaire suisse, ainsi que les deux messages que j'ai reçus de Jacomet, qui était un agent. Le divisionnaire Regli a bien rencontré le général Knobel dans un hôtel sud-africain. Un autre document secret signé de Knobel révèle le contenu de leurs entretiens. Le général Knobel rapporte qu'il a parlé avec le général Regli du service de renseignement suisse et qu'il a confirmé une bonne partie des déclarations du brigadier Basson. Il a aussi entrepris d'aider à récupérer la documentation. Est-ce que vous confirmez cette information? Est-ce que vous confirmez avoir eu ce contact avec M. Knobel et avoir offert ses services? Je vous donne ce document. Merci, très volontiers. Je dois dire encore une fois aussi pour le téléspectateur que une tâche importante du chef du service de renseignement est de quitter ce bureau, de se rendre à l'étranger, de faire des contacts pour obtenir du renseignement. Maintenant, vous parlez de fonctionnaires de forces armées étrangères. Aussi, sur cette question, je me suis exprimé ce matin devant la commission parce que aussi ce paragraphe a paru, je crois, le 15, donc avant-hier, dans un journal sud-africain. Donc j'étais au courant du fait que cette question viendra et j'en ai parlé à la commission de gestion. Le voyage en Afrique du Sud était-il connu du chef du département militaire ou des conseillers fédéraux? Non, certainement pas. Le principe qui est toujours en vigueur était que les autorités politiques acceptaient les relations avec les services de renseignement étrangers, mais ils ne rentraient pas dans le détail sur le type de voyage et leur fréquence. Celui qui vous parle, toujours à la fin de l'année, présente au chef du département, qui est notre autorité politique supérieure, une liste des pays avec lesquels nous avons des contacts. Et c'est à ce moment-là que le chef du département dit « voilà, je suis d'accord » ou « j'aimerais qu'on trace tel et tel pays » pour des raisons qu'il a personnellement, ou même nous dit « j'aimerais que vous entriez en contact avec tel et tel pays pour telle et telle raison ». Et ça, c'est un dialogue continu qui a lieu avec le supérieur politique qui correspond aux règles de jeu d'un pays démocratique. Il n'y avait, si je comprends bien, pas de politique cohérente et coordonnée du Conseil général. Il n'y avait pas une politique sud-africaine, il y en avait 5 ou 6. Les choses étant ce qu'elles sont, chez nous en Suisse, souvent la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche et vice-versa. L'affaire Basson est l'illustration de cette politique à géométrie variable appliquée par la Suisse à l'Afrique du Sud de l'apartheid. Une politique qui consistait à condamner les exactions massives commises par l'État sud-africain tout en faisant des affaires avec lui. La place de Zurich traitera jusqu'à 80% de l'or sud-africain dans les années 70. À mon sens et au sens du Conseil fédéral, la seule alternative à la situation sans issue dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Afrique du Sud. Je vous remercie. Tandis qu'aux affaires étrangères, Edouard Brunner tentait de lancer une initiative de paix en Afrique du Sud, au département militaire, on frayait avec les chimistes de l'apartheid. Quant au département de l'économie publique, il donnait son feu vert au petit commerce du docteur Basson. Aujourd'hui, le brigadier déchu est en liberté surveillée en attendant son procès. Mais l'affaire Basson n'est sans doute que la partie émergée de l'iceberg. D'autres agents du régime d'apartheid doivent rendre des comptes pour les crimes qu'ils ont commis au service de l'État. Ainsi, Craig Williamson, chef d'une unité d'escadron de la mort de la police et grand spécialiste des colis piégés. Williamson a avoué plusieurs assassinats. Now all
ex-policier a infiltré durant 2 ans l'université à Genève au début des années 80 avant d'être démasqué et de rentrer tranquillement en Afrique du Sud. Les services pour lesquels il a travaillé figuraient aussi sur la liste des partenaires de la police fédérale suisse. Williamson a demandé l'amnistie pour ses forfaits, une faveur que la commission Vérité et Réconciliation peut accorder. Un homme s'oppose à l'amnistie de Craig Williamson au nom des familles de ses victimes. Avocat de Nelson Mandela, George Bizos a déjà obtenu que les assassins de l'opposant au régime, Steve Biko, battu à mort dans sa cellule en 1977, ne soient pas libérés. Rappelons-nous que le cours de l'or était très haut à l'époque, à près de 500 dollars l'once. Imaginez que la Suisse ait dit, c'est nous qui traitons vos lingots d'or. Et si vous ne changez pas votre politique vers plus d'égalité et de démocratie, nous arrêtons. Eh bien, je ne sais pas ce que le gouvernement aurait pu dire. Mais là, la Suisse n'a rien fait. Elle a en plus trouvé des justifications à son attitude de « business as usual », les affaires d'abord. Il faudra qu'elle vive avec la conscience que l'apartheid a ainsi duré beaucoup plus longtemps et que beaucoup de vies ont été perdues. Mais je pense, oui, ça a facilité la vie à, quand même au régime apartheid. Pourquoi ? Puisque la Suisse jouait et joue un rôle très important et au niveau du commerce des pierres précieuses et de l'or. Je suis intimement convaincu que sans les sanctions, l'apartheid aurait implosé bien plus tard. Les nombreux pays qui se sont enrichis grâce à l'apartheid ont une dette morale vis-à-vis de nous. Et comme nous tentons de révéler la vérité sur ce qui s'est passé, nous prenons conscience du fait que la vérité seule ne suffit pas à assurer le développement, que les injustices économiques que l'apartheid a imposées à notre pays ont eu pour conséquence de priver des millions de Sud-Africains du bien-être auquel ils avaient droit. C'est pour cela que les puissances étrangères qui ont profité de l'apartheid ont l'obligation morale de faire plus qu'un geste de bonne volonté. Elles doivent contribuer activement à la renaissance économique de l'Afrique du Sud. Et je dois dire que votre pays est sans doute plus directement concerné que la plupart des autres pays d'Europe.